Alors pour le modal, comme je te disais, en fait, bon, je vais te donner les gammes les plus communes et belles du modal. Donc tu as Do majeur, donc tu pars à partir de Do, avec Do majeur. Donc ce qui différencie le majeur, c'est ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, tu vois. Il y a cette proportion qui est nécessaire pour le majeur. D'ailleurs, si tu veux faire une autre gamme majeure à partir d'une autre note, il faudra conserver les proportions. Donc, si la table à partir de Do majeur, tu peux faire le majeur à partir de Mi, t'as conservé les proportions. Donc, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Alors, pour les gammes modales, enfin, déjà, c'est pas des gammes, mais bon, pour les modes, donc tu as Do majeur, qui est aussi le mode de Do. Et bien simplement, donc en restant dans les notes blanches, tu déplaces les proportions. Donc, au lieu de faire ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, tu feras à partir de Ré, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, ton. Je sais pas, je pense que je me suis pas trompé, bref. Et ça fait une autre couleur. Tu fais le même mécanisme, mode de mi. Même chose, mode de fa. Tu vois, c'est les proportions changent. Et pour avoir le mode de fa, par exemple, à partir du do, il faudra que tu transposes les proportions. Donc c'est quoi? C'est ton, 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 demi-ton, ton, ton, demi-ton. Donc ton, 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 demi-ton, ton, ton, demi-ton. Donc ton, 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 demi-ton, ton, ton, demi-ton. Voilà. Et en suivant cette logique, tu obtiendras le mode de fa, donc le lydien sur do. Continuer. Alors on arrive au sol. Donc mixolydien, lydien, mode de sol, suivant la même logique que j'ai montré là, donc par transposition, enfin même pas par transposition, par mouvement dans la gamme du départ. Ensuite, on a le relatif mineur, donc le mode de la. D'ailleurs, le mode de la mineur, ça se trouve sur les mêmes notes que le do majeur. C'est juste, ça dépend les proportions, enfin les proportions qui changent. C'est ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton. Alors c'est ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, et ça change tout. Donc, comme je l'ai dit, c'est les proportions, les distances entre les notes qui lui donne cette telle ou telle couleur. Le mode de si, l'ocrien, c'est. Et là, c'est moche en fait. J'ai pas vu beaucoup dans la musique du film. Voilà. Et ensuite, voilà. Le mode particulier que je voulais te montrer, c'est le mixolydien à sixte diminuée. Donc, le mode de sol. À sixte diminuée, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben on la diminue, ce sera. Ça donne une très belle couleur. Je vais te montrer ça. Donc, même chose en restant dans mixolydien à sixte diminuée. Thank you.
ça donne une très belle couleur qui fait aussi science-fiction, qui a été utilisée dans Stargate, notamment. Voilà tout, j'espère que ça t'a aidé.